STV, votre télé. Populaire et ferveur patriotique ce week-end à Batoré, département de l'Acadie, région de l'Est. Dans une place des fêtes noires de monde, les populations de cette partie du pays, sorties comme un seul homme, disent merci au président de la République suite à la nomination de Gabriel Dodon-Doké au poste de ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique lors du récent remaniement gouvernemental. Sinon, un sentiment de très grande fierté d'avoir, au lendemain de l'élection du président de la République, au lendemain de l'acte du 4 janvier qui a vu promouvoir les fils de cette région, et plus particulièrement les fils du département, un fils du département de l'Acadie au gouvernement de la République. C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de satisfaction, et nous voulons réitérer notre soutien le plus indéfectible au président de la République et lui faire la promesse d'œuvrer encore davantage pour que les victoires soient encore plus retentissantes aux échéances électorales à venir. C'est un culte œcuménique qui ouvre ce meeting de remerciement afin de confier au bon Dieu la mandature du ministre nouvellement nommé. Le chapitre des discours permet tour à tour au maire de la commune de Batoré, suivi des présidents des sections RDPC et OJRDPC, à l'ex-ministre des Mines, porte-parole des élites, et au président de la commission permanente régionale du RDPC d'apporter quelques conseils à leur fils confié à la tradition à travers des rites. J'ai apprécié ce nouvel élan, le fait que les ministres de l'Est aujourd'hui commencent à travailler ensemble. C'est pour moi quelque chose de révolutionnaire. Aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à tous les ministres de l'Est parce que nous savons qu'ils vont tenir compte des aspirations de nos populations. Un grand sentiment de satisfaction de dire à notre fils, à notre frère, à notre cadet que nous sommes très contents de sa nomination et nous avons pu remercier le président de la République pour ce choix effectué sur sa personne. Pour rehausser l'éclat de ce meeting, une forte délégation des chefs traditionnels venus de la région du Nord-Ouest s'est jointe au reste de l'équipe gouvernementale originaire de la région de l'Est. Une motion de soutien adressée au chef de l'État a clôturé la manifestation courue à Batoré. Après avoir passé plusieurs années dans la pénombre, la permanence du parti RDPC de Batoré, tel un phénix, renaît de ses cendres. L'initiative étant d'Emmanuel Bondé, président de la commission départementale RDPC de la CADEI, accompagné par la présidente de la section RDPC, CADEI Nord 2. Et évidemment, le RDPC ayant hérité de l'UNC, nous devions exploiter ce bâtiment pour continuer à animer les activités du parti. Et à un moment donné, c'était délabré et puis c'était suffisamment avancé. Donc du coup, les élites se sont mises ensemble pour penser qu'il fallait refaire la toiture. Et la Providence a voulu que ce soit au moment où nous héritons de cette section que les travaux s'accélèrent et les cotisations ont été faites. Les travaux ont avancé jusqu'à un certain niveau. Pour réaliser ce projet, plus de 180 millions de francs CFA collectés auprès des élites de la CADEI serviront à refaire complètement la toiture, la peinture, le revêtement du sol, la clôture et bien d'autres travaux de cet édifice. Quelques ajouts seront apportés au plan du bâtiment, notamment la construction d'un hall en étage pour les VIP. Pour l'instant, le taux d'exécution physique des travaux est de 60%.
À terme, l'édifice aura bien plus que fière allure, mais symbolisera la puissante domination du RDPC dans le département de l'Acadie. Nous avons accueilli avec une joie immense le projet de réfection de la permanence du parti de Batory, qui, à notre avis, n'avait pas fière allure et vraiment décourageait même en quelque sorte le militantisme. Le président national du RDPC a dit qu'il faut oser, qu'il faut innover. Et c'était donc lors d'une réunion de coordination départementale du RDPC que l'idée est née. Les élites, lors d'une réunion, ont décidé de réfectionner cette maison du parti. Au regard de certaines difficultés rencontrées, notamment sur le plan financier, le comité de pilotage de ces travaux continue de tendre la main aux différentes élites de la CADEI. Les collectes se poursuivent, l'objectif principal étant de redonner vie à ce bâtiment, vestige de l'histoire. Deux morts, un blessé. La chefferie de Moundek détruite, tel est le bilan suite à une attaque par des hommes armés qui ont semé la terreur dans l'arrondissement de Mombo, au département du Mungo. C'était dans la nuit du dimanche 17 février dernier. Le film a commencé aux environs de 22h quand ces derniers ont attaqué la brigade de Mombo. Après plusieurs échanges de tirs dont les traces sont encore visibles sur les murs de la brigade, la ville s'est aussitôt transformée en un cimetière. Plusieurs riverains ont passé la nuit dans les champs. Le calme serait revenu grâce à l'intervention du 23e BIM de l'OUM. Beaucoup ont dormi cambous. Nous, on était troublés. C'est les âmes, toi, à la brigade, personne n'a dormi. Chez l'ordre de M. le préfet, nous, on était obligés d'entrer dans les... Et ce sont cambous. Personne. Ça fait déjà peur. Ce lundi matin, c'est la peur dans la cité. Les écoles sont restées vides. Aucun parent ne s'est rendu dans les plantations. C'est vraiment en train de créer un climat de peur. Personne n'a pris la route du champ. De même comme les fonctionnaires, comme on le constate. Le plus pire encore, c'est que l'arrondissement de Mombo, voisine avec le sud-ouest, a accueilli plusieurs déplacés. Quelle est finalement la direction la plus sécurisée? Le département du Mungo est-il dans le viseur de ces forces séparatistes qui plongent les populations dans une psychose sans fin? Nous avons commencé à suivre les coups de feu qui sortaient. Nous ne savons même pas où ces coups de feu-là sortaient réellement. Et avec les retentissements des motos, chacun est obligé seulement de regagner son domicile pour essayer de se mettre en sécurité. Cameroon often referred to as Africa in miniature because of its geological and cultural diversity. So to harbor 247 indigenous languages, serving over 2 million people within its global layout. Thus, why is two official languages of colonial heritage, known to be French and English, dominate public life? The mother tongue is often relegated in the background for these reasons. I cannot speak much because the home I grew up in, my mom was doing her best when she speak with you in the dialect. Even if you answer using Pidgin or lingua franca, she doesn't shout. The little that I know how to speak is because my grandmom was there. To say good morning, you say alele. Yeah, and the other person will reply alemu. Because I can only try, but I cannot speak fluent. I was not born in the village. In Kambe, it's the great era where to speak my dialect. Because we are not taught in the house how to speak our dialect. This persistent disregard of indigenous languages does not only alienate the Cameroonian child culturally, but upbringing as well. I only know how to speak the only one, and it's Bakri dialect, Omanja, because my mother didn't teach me.
Sometimes, most parents are responsible for not training children to speak in their vernacular, as they often think the future of their children lies in the mastery of official languages. It is a parent who gives birth to the child. So if you teach, because some people say modernism, they always speak English. If you speak to the children while they are small, let me say from 1 till, they will get it. But how true is this assertion? It's very difficult for me to use the dial, my mother tongue, to my children because of this modern world. We are not in urban setting, so I always speak English to them. But from time to time, I try to send them home so they can stay with my mother. Hence, as denizens of Boya joins the rest of the world today, February 21st, to celebrate International Mother Language Day, parents and other learning institutions are hereby schooled to reinforce the existence of mother tongue against a high usage of lingua franca. Reports from Social Institutions and Gender Index 2014 edition articulates that Cameroon has high levels of discrimination against women in the social space. On the other hand, statistics again indicates that in 2012, the ratio of female to male primary school enrollment was 88%, a case amongst many others, which has prompted these female regional bigwigs to sit in for this first preparatory meeting holding in Boya, in a bid to brainstorm and propose week-long activities for this year's 34th edition of International Women's Day under the theme Crusade Against Gender Inequality, despite the boiling Anglophone issues at the forefront. We have seen that women have a lot of potentials, and if we give them a chance to be able to manage our resources, if we give them a chance to be able to take decisions, I think that most of the problems we are having in our community today will not be there. The regional delegate of Women's Empowerment and the family, Madam Mofa Judith, continued by underlining envisaged activities. Now, for week-long activities, we have given the groups the freedom to organize their own activities in their various zones as they feel safe. And some of them have indicated that they are going to have training sessions, they are going to have a training on income generating activities, they are going to have a prayer session to pray for peace and for a serene atmosphere so that the celebrations are going to go on peacefully. Due to the socio-political fever, the theme of this year's celebration may not be actualized, as she reiterates. About gender equality, a crusade against inequalities. And it's difficult to have to get that crusade done when we don't have a peaceful atmosphere. So we're going to start by having a prayer session and worship, singing, praising God, asking God to intercede in our land. Nevertheless, women within the Southwest region have been cautioned to intensify prayers by sitting on their knees so as to ensure a history-free celebration come March 8th, 2019. Difficile pour les conducteurs de mototaxis de la ville de Déa de circuler. Pour cause, l'espace cyclable qui leur est réservé est aujourd'hui occupé par le stationnement des camions et autres engins lourds. Ça nous dérange, on n'a pas de choix. Tu ne peux pas quand même faire le coup avec celui qui a peut-être 5 mètres de long et toi qui es là à 0 mètre. Tu ne peux pas faire le coup. Donc on essaye de forcer comme on force là, comme vous voyez, et on gère avec. Ça nous dérange franchement, mais on essaye de s'adapter, mais ça ne va pas. La route est d'abord non seulement petite, et les camions vraiment viennent aussi occuper encore la voie. Donc, ça va aller et on essaie de mieux gérer ça ensemble. La responsabilité incombe à la communauté urbaine qui a c'est l'axe de la question. Cet aménagement avait été effectué le long de l'axe lourd qui traverse le centre-ville, question de limiter les accidents qui se faisaient récurrents compte tenu de son emplacement sur la nationale numéro 3, Douala Yaoundé. This is the atmosphere at the University of Boya campus this Thursday. Activities are gradually going back to normal at this state institution, which has been greatly affected by the recent lockdown and ghost towns, which made it difficult for students to attend lectures. Really challenging.
sometimes you cannot go to school or you come back home with your mom or your husband because of their political crisis. Go to campus because you find everyone. You yourself will be able to come in because everywhere is so no one, you don't find anyone on campus. However, after this lockdown and ghost towns, lectures are said to have resumed effectively, with a handful of students and lecturers answering present. Also unique about this day on campus was the distribution of the president's 50,000 franc CFE Excellent Award to students with a score of not less than 2.5 GPA on 3. With the excitement and anxiousness read on their faces, some students appreciated and described the gesture as a motivation for more hard work. Knowing that you cannot just earn like that, you must have at least a 2 on 4 GP. So it has a long way to go as far as your studies is concerned. Imagine that you're told to study and then at the end you'll be given 50,000. Normally, everybody wants to study hard. So it really motivates us to study because you know that at the end we are going to receive a grant. Others further say, such gesture is timely given the present hardship brought about by the crisis. Really great initiative, and it's really helping us. With the current situation now, things are really not easy, the financial challenges. So I will use mine to pay my fee for this school year. Meanwhile, to others whose name did not feature on the list, they have begun working hard by studying, especially as university exams are at the corner. Au nombre de saints et des confrères de la section syndicale du Nord-Ouest sont en visite depuis ce jeudi à Ebolova pour respirer un autre air que celui de l'instabilité sécuritaire qui prévaut dans la région où ils exercent. Ensemble avec des collègues et camarades de la section syndicale du Sud, dans la salle de conférence de la délégation régionale de la communication du Sud, sous la supervision de Madame la représentante déléguée régionale de la communication à la personne de Marthe Mboto et Foudou, ceux-ci ont fait état des difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leurs fonctions. Vous ne pouvez pas savoir qui diffuse les informations dans les réseaux sociaux et cela crée la panique et la confusion dans plusieurs localités. Les réseaux sociaux créent beaucoup de dégâts et tant de longtemps, on ne peut pas vérifier la véracité de ces informations. Une situation confortée par le fait que même la presse traditionnelle écrite est difficilement accessible là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de journaux réguliers, tu n'as pas de journaux réguliers dans la radio et la télé maintenant. Même les papiers, tout publié à Yaoundé ou bien publié à Douala, tu ne peux pas envoyer dans la région parce qu'il n'y a pas les motos qui entrent et ils sortent. Ça veut dire que certains temps on voit les journaux de lundi chez nous vers vendredi. L'on ne pourrait ne pas évoquer le risque qu'encourent ces historiens du présent dans la recherche de l'information. Une visite de courtoisie au gouverneur de la région du Sud a clos cette journée, également rehaussée par la présence du président de la section syndicale du SNJC dans la région du Centre. Également au programme, la visite de quelques radios locales pour la journée du lendemain. En avance vers ce qu'on appellerait chefferie légitime et shadow chefferie dans le village Bangou, si l'on s'en tient à l'évolution actuelle de la situation. D'un côté, on a le prince Gambo Kemayo Maurice qui est initié au Lakam situé au quartier Kontiap à Tchela. Un lieu offert selon nos sources au roi Kupu Nana Sinkam lors de sa sortie de la chefferie en 1950. À la sortie, comment ils vont se comporter dans la société vis-à-vis des autres, la manière de se comporter, la manière de s'adresser aux gens, parce qu'ils ne sont pas encore aptes à visage découvert. À l'actuelle chefferie, on a également le prince Chiutayo Bernard, qui est placé sous haute sécurité policière depuis son entrée dans ce lieu. Dans cette fronde, les auteurs évoquent chacun ses raisons. D'abord, Bambieu Djibouyoukep, le notable qui a arrêté le prince Gambou Kemayo Maurice. Qui revient à moi, et à moi seul, d'arrêter le chef Bangou.
Je l'ai fait parce que c'est mon père qui a arrêté le chef Sinkam. C'est mon défunt père toujours qui a arrêté le chef Kemayo. Il revenait à moi, qui suis son successeur, d'arrêter le successeur de Kemayo. Parce que les deux autres chefs qui sont passés, ils ont entre parenthèses assumé l'intérim. Il était donc temps de revenir sur, n'est-ce pas, voici la lignée. Si l'honorable Dato Théodore et compagnie déclarent qu'on ne puisse balayer d'un revers de la main 36 ans de règne, les notables Fiabo Tayo Sébastien et ses soutiens insistent sur le fait que le retour à la lignée est impératif. On constatait plutôt que ce qu'on avait établi à Bangou a été marginalisé. Le chef Bazou qui était présent le 28 passé avait bien fait, avait joué son rôle. Nous avons trouvé bon de faire une correspondance à Baham pour que le sous-préfet sache la position de sept chefs qui forment le groupement Bangou. Nous étions obligés d'appuyer cette déclaration par notre correspondance chez le préfet. Il y avait plusieurs raisons pour faire cette lettre. D'abord, ça fait 33 ans que Sa Majesté le roi Kemayo Port-Bernard est mort. Nous nous sommes battus pour que ses restes arrivent à la chefferie Bangou pour être enterrés au Panthéon. On ne succède pas à un être qui est vivant. Et je vous dis, j'étais là en 67. Il ne s'agissait pas d'une succession, il s'agissait d'une régence. Et le roi Njomu l'a toujours proclamé. La preuve, ses enfants sont là pour soutenir le nouveau roi successeur de Kemayo, dont le roi Njomu était là pour une régence. Il a toujours dit, quand il est mort, son successeur est venu succéder à un régent. Mais selon lui, ce n'était pas une régence. Il s'est comporté en chef traditionnel Bangou. Ce n'était pas juste, ça ne se fait pas. C'est lui qui a arrêté Njomu Tayo. Ce n'est pas celui qui est habilité à le faire. Qui aura le dernier mot? Les populations du village Bangou attendent le jour de l'intronisation, telle une fumée blanche. For over 46 years now, athletes from Cameroon and other countries have been battling with the chariots of the gods at Mount Fako to be crowned kings and queens of the mountain. This festive event, as we all know it today, started way back in 1973 officially, where some tourists a year earlier went to the mountain alongside some guides and thought it wise for a race to be organized during a gathering where they shared their experiences and took it to the government. From 1973, when Ekema John won the race in 5 hours 47 minutes till date, the cash prize has witnessed a drastic evolution from 30,000 francs CFA and 10 cartons of drinks to 10 million francs CFA for the first prize. From its inception till date, only 3 foreigners have been able to rumble with the chariots of the gods and won, while the rest of the winners have all been Cameroonians. The women's category was introduced in 1983, which saw its first winner Mojo Konja Emilia, but has ever since witnessed the dominance of Saral Yengu Etonge, crowned Queen of the Mountain for impressive dominance. As the D-Day draws closer, the over 500 athletes will be looking to stamp their names down the annals of history as they brace up to tackle the over 42 kilometers hike up and down the mountain this Saturday. STV, votre télé.